Le métro de Paris a aujourd'hui plus de 110 ans, depuis que s'était lancée la première rame sur la ligne 1 en juillet 1900. L'exposition du Musée des Arts et Métiers révèle toute cette histoire, ces 110 ans depuis les premières circulations jusqu'à l'automatisation de la ligne 1 qui est en train de se dérouler actuellement. C'est une histoire qui est marquée par des étapes assez importantes. D'abord, la mise en circulation des fameux trains Sprague dans les années 1906-1907, des trains qui ont circulé jusqu'en 1983. Ce sont ces fameuses rames vertes et rouges qui ont tant marqué les Parisiens et qu'on retrouve régulièrement dans le cinéma. Dans les grandes étapes, on peut également signaler la mise en place du métro sur pneumatique après la Seconde Guerre mondiale. C'était un nouveau type de roulement qu'on jugeait plus efficace, plus économique et surtout plus moderne à l'époque. Et puis, plus récemment, on peut noter une nouvelle étape avec la mise en service de la ligne 14, qui est une ligne entièrement automatisée, gérée depuis un poste de commande centralisé, mais sans aucun conducteur à bord des trains, ce qui était complètement nouveau. Et ce dispositif qui a été inauguré en 1998 est aujourd'hui en train d'être déployé sur la ligne 1 pour faire face à l'accroissement du trafic. On a voulu montrer quel est l'envers du décor. Alors pour ce faire, on se sert de maquettes anciennes ou plus récentes, de photographies et puis de certains dispositifs interactifs. Par exemple, un poste de régulation pour que les visiteurs puissent se mettre dans la peau du régulateur qui, depuis le poste de commande centralisé, doit faire face à certains imprévus, par exemple un obstacle tombé sur la voie. Construire le réseau de métro dans une ville comme Paris a été assez compliqué, quelles que soient les époques. À l'origine, on construit soit des tunnels, soit des viaducs, selon la topographie du terrain, avec des méthodes de construction qui sont assez variables pour s'adapter à la nature du sol. Et puis, par exemple, pour traverser la Seine en souterrain, on n'hésite pas à congeler le sous-sol, enfin la nappe phréatique du fleuve pendant 40 jours, ce qui était complètement audacieux à l'époque pour arriver à faire glisser des caissons dans le sous-sol. Aujourd'hui, on fait appel à des moyens techniques assez spectaculaires. Par exemple, les tunneliers permettent de grignoter progressivement le sous-sol tout en évacuant en simultané les gravats qui sont générés de manière à avancer le plus rapidement possible sans entraver la circulation en surface.